Papa, papa, ça y est, Théo nous appelle. Allô, allô, ici, IE35, je vous écoute. Carole, c'est Théo qui parle, vous m'entendez? Je vous écoute, parlez. Je parle, vous m'entendez? Ici Théo. Ici, IE35, parlez. Je vous passe Maurice. Ici, Maurice, vous m'entendez? Parlez, je vous écoute. Alors si vous m'écoutez, je vous passe Théo. Ici Théo, vous m'entendez, IE35? Oui, mais parlez. Oui, oh, trop tard, Clacmuf arrive. Est-ce que c'est? Encore de la radio? Ognache! Patron. Casse-moi ces postes! Je le descends, patron. Allô? Allô, Théo? Ici IE35, vous m'entendez? Théo! Théo! Capitaine Jagadis, faites emprisonner notre jeune ami Théo Courant et son complice Maurice Lagrammaire. Bien, monsieur Clacmouf. Vous n'avez pas encore gagné, Clacmuf. Non, Théo, mais c'est en bonne voie. Capitaine, vous avez récupéré les goudes-gouzes? Oui, les voilà. C'est l'Italien qui me l'a donné. Parfait. Gardez-les bien, Grognache. Oh, comptez sur moi, patron. Et les autres, on les a arrêtés? Eh bien, monsieur Clacmouf, à vrai dire... Quoi? Parlez! Eh bien... Ils se sont échappés. Échappés? Comment? À la nage, ils ont sauté dans la mer. Vous entendez, Maurice? Black, White et Asti se sont échappés! Oui! Hip, hip, hip! Ouah! Je les descends, patron. Inutile, Grognache. Le golfe du Bengale est infesté des requins. Ces trois idiots n'iront pas loin. Ça va, Black? Ça va. Et toi? Oh, je commence à trouver le temps long. Oui, encore un petit effort. On n'est plus qu'à une centaine de mètres du rivage. Dans le golfe de Napoli, je sais bien nager. Pourquoi? C'est un golfe miniature. Mais dans ce puto d'océan indien, les bras, les jambes, sans arrêt, on peut même pas reprendre son souffle. Mais ça y est, les gars, ça y est! On a pied! On a pied, on y est! J'en pouvais plus, moi! Il était temps! Bon, allez, allez, maintenant, il s'agit de se repérer! Voyons, où sommes-nous, là? Sur les sables, monsieur Black! Oh, attends, voilà, avançons un peu! Il y a un poteau, là, avec une pancarte! Hey, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Attends! Plage déserte réservée aux naufragés. Ouais, l'endroit rêvé en quelque sorte. Ouais, pas du tout. Et pourquoi? Mais parce que... Oh tiens, voilà quelqu'un, attends. Oh, drôle de type, ça. Et en uniforme, ça, j'aime pas beaucoup ça. Mais, alors, comme ça, on arrive? Oui, monsieur, oui. Monsieur. Brigadier Célestin Jolipon. Ah. Douane, immigration en tout genre. Vos papiers de naufragé. Pardon? Qu'est-ce qu'il veut? Vos papiers de naufragé. Vous avez bien lu plage réservée aux naufragés? Oui. Alors, vos papiers de naufragé. Ben vous savez, brigadier... On n'est pas exactement des naufragés, pas... Alors, circulez et retournez d'où vous venez. Mais c'est pas possible, brigadier. Hey, monsieur Black, monsieur White... Laissez-moi faire. Oui. Monsieur le brigadier, peut-être on a les papiers. Ah. Et si vous pouviez nous laisser tenir une petite conférence, pourquoi on a besoin d'être tout seul? Bon, je m'éloigne de quelques pas, mais attention, hein. Je ne vous perds pas de vue. Alors, assis. Hey, monsieur White, le coup de gousse. Oh, 100%. Le Bouddha sacré. Dans la bagarre, ils se sont pas rendus compte. Mais le vrai, le voilà. Que moi, je l'avais fait reproduire à 500 exemplaires. Eh ben, j'en avais gardé un en me disant que peut-être... Oh. Oh, Asti, hein? Si j'ai pas eu Jeanne d'Arc, c'est vous qui la remplaceriez. Alors, si les brigadiers, c'est un babu, ouais. Avec l'eau goût douce, vous comprenez? Oh, mais formidable! Oui, mais oui. Allez-y! Oh, brigadier! Et alors? Vous les avez retrouvés, vos papiers de naufragés?
Hein? Good goose, brigadier, good goose. Hein? Quoi? Chaviro, retourne ta charge. Chavi hein? Pataro, brigadier. Regrille hein? Patacha, brigadier. Grand babu, brigadier. Sacré boudin, brigadier. Boudin sacré, brigadier. Good goose, good goose. Ça va pas mieux, non? Qu'est-ce que vous racontez? Brigadier, vous, pas babu? Babu, babu. Mais qu'est-ce que vous dites, vous? Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Mais qu'est-ce que vous foutez avec ce boudin rassis? Ballon. Mais good goose, brigadier, l'eau, l'ogriachon pater. Ça va, il est pas dans la cour. Ouais. Allez, c'est bon, allez. Non, excusez-le, brigadier, excusez-le. C'était ouais, pour rire. Ouais. Oui. Maintenant, c'est pas le moment. Allez, vos papiers ou décampez. Non, écoutez, brigadier, voilà. Et on comprend bien, évidemment, que vous, en tant que Pakistanais, vous êtes obligé... Mais je suis pas Pakistanais, moi. Je suis parisien, ancien chauffeur de taxi. Bah, comment, mais alors quoi, alors C'est toute une longue histoire. Il y a 5 ou 6 ans, je charge un mec qui me dit d'aller à Fontainebleau. Bon, ouais. J'y vais. Ouais. Alors là, il me dit de pousser un peu plus loin. Ouais. Alors, je pousse. Et alors... Vous savez ce que c'est, pas de fil en aiguille, la côte, l'Italie, l'Autriche, la Turquie, l'Irak, et puis je suis arrivé à Port-Jaboun. Port-Jaboun. Mais dites, c'est loin d'ici, Port-Jaboun. À 4 kilomètres. 4 kilomètres. Ouais. Alors mon client s'est tiré, à s'en payer, oui. Et je me suis retrouvé sans un. Alors, comme ils avaient justement besoin de quelqu'un, on m'a engagé comme fonctionnaire, et puis voilà. Mais dites, à Paris, vous habitez où? 7 bis rue des Cadettes, dans le 6e. Christo, 7 bis rue des Cadettes oui. Mais alors vous devez connaître Geronimo Spumante. Ah, celui qui tient une pizzeria en Inde. Ah, ecco, c'est mon cousin. Ah, c'est Geronimo. Ah, c'est un copain. Et c'est votre cousin. Et c'est son cousin. Et c'est votre copain. Alors, ça change tout. Oui. Moi, je suis là pour le contrôle des papiers. Vous n'en avez pas. Mais je peux pas les contrôler. Et puis, il est 6 heures. Hein, mon service est fini. Ah, mais oui, 6 heures, c'est fini. Alors, vous frappez pas. Hein. Oui. Alors, restez là tranquillement. Je vais m'occuper de vous. Hein oui, allez, à demain. Alors, salut. Enfin, tout ça, c'est très joli, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Ah oui, ça, alors là, jusqu'à demain matin. Pas question d'aller à Port-Jaboun. Eh ben, naturellement, tiens, Clapouf nous repérerait en moins de 2. Mais alors? Eh ben alors, c'est pas, mon gars. Monsieur Black, monsieur White, ouais. Regardez, là-bas, sous les arbres. Oh! Une fumée. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement.